improvisando. Te ganaste el baloto. Tú eres de Canadá como Tony Montana. Tú eres el que te chinga la ley sin gana. Sé que tú quieres meterle, pegarle, meterle, pegarle. Mentiro de calle, meterle, pegarle. Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero. Rapero de oro, vocero, hermosa, maravillosa. Mi birthday today. What? My birthday today. À bord. Oui. Jonco, il est venu nous voir. Jonco, il était à Marina Gosselin, il était venu nous voir avant notre départ. Puis le bateau, il était en cale sèche. Puis là, il est venu en vacances en Colombie. Puis on a passé une semaine avec lui, on a passé quelques jours. Puis là, on est à bord parce que c'est la fête à Véro! 33 ans là, dans deux jours. Demain. Demain, le 10. 33 ans, tu tiens là. Pensez, on était le 8, on est le 9. Malade. Fait qu'il y a une super belle soirée. On va aller faire du street food tantôt manger. Là, on va déguster le beau petit morceau de gâteau. Oh! Oh yeah! Amy qui a fait le gâteau. C'est écrit bonne fête. Oh wow! Ah ben oui, bonne fête. Bonne fête. Malade, Amy, gros job. Tu dois apprendre une tête? Non. Sur le côté? Oui. C'est comment ça s'appelle, Amy, ce gâteau-là? C'est un lava cake. Mais dans le fond, il y a du chocolat fondu à l'intérieur quand tu prends des bouchées. Oh yeah! Bonne fête, Véro! Merci! Bonne fête! Merci! On retourne manger dans le quartier Getsemani, hein, c'est ça? Ouais! Avec Jacques, cette fois, on aime tellement ce quartier-là. Il y a quelque chose, une belle vie. Yeah, il y a de la vie, une belle vibe. On y retourne encore à soir, puis on va peut-être y retourner demain. Pas peut-être, on retourne demain. Fait qu'on va vous montrer ça tantôt, les petits kiosques de street food. Pellicula! Filme-moi, c'est Pellicula! Mettre de la lime sur les mangues, puis du sucre. Ah ouais? Du sucre, je pense que c'est du sel. Du sel? C'est le goûter. Tu as raison. Ah ouais, hein? Surprenant, hein? Du sel? Ouais. C'est très bon. Pas ça, Amy. Bon? Ouais, je vais en fraîche. Okay. Parfait. We'll be right back.
Montréal, de Colombie et peut-être de l'Amérique du Sud? Pas sûr. Et on va essayer ça. Oye, son arepa de qué? No, empanadita de carne, pollo, jamón y queso. J'en ai pris un au poulet. C'est de la pâte avec du poulet. Je sais pas si c'est du fromage. Arepa de Are you spicy? Spicy. It's spicy. Un perso, c'est bon. Okay. Bon, Jaco? Muy bien? Todo bien? Todo bien, si. Deuxième kiosque, Véro. Qu'est-ce qu'on essaye? On essaye une brochette. Hey! On n'a jamais mangé ça. Yummy! Tes impressions? Délicieux. T'es habitué à les faire cuire? On connaît sa cuisson. C'est ça. Cheers! Cheers! À la fête de Véronique! C'est demain, mais on commence à soir. Ça fait deux matins que je me réveille, puis Amy est déjà en train de faire son école. Puis elle fait son école avec Jay. Ils sont complètement adorables. Ils ont vraiment une belle relation. Ça fait qu'on est quatre dans le bateau, hein? Fait que 2-2, on dirait que c'est un meilleur chiffre. Puis quand nous, quand Pat et moi, on écoute des films le soir, ben JP et me écoutent un film. Ils ont commencé une série ensemble, là. Ils écoutent ça presque à chaque soir. Puis ils sont vraiment cute. Fait que là, il fait son école maintenant. Puis il a le corrigé. Puis là, il aide à s'enligner. Amy a fait l'exercice. Puis là, lui, il corrige à mesure. Fait que ça me fait moins de travail, c'est cool. Vous savez sûrement ça, là, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, en bateau, je pense que c'est amplifié parce que t'es tellement dans un espace restreint que quand une personne a une bonne habitude, on essaye moins les mauvaises. Quand une personne a une bonne habitude, ben c'est facile de copier. Puis, comme par exemple, Jay va tout le temps au gym, là, j'avais commencé à y aller avec lui. On pratique notre Duolingo ensemble. Jay a même arrêté de fumer. Ça, c'est bon, là, c'est excellent parce que Pat et moi, on fume pas. Oui, une autre affaire qu'on a copiée de Jay, c'est qu'il mange santé au bout, là. On mange souvent des wok aux légumes, comme le premier wok qu'il nous avait fait quand on est arrivé en Colombie. On savait pas du tout que ce serait le premier de 1000 wok. C'est super bon. On a copié son alimentation, ses petites crêpes aussi. On mange presque chaque matin avec des shakes de protéines, des bananes, des bananes plantain. C'est super bon. On a copié son alimentation. C'est mieux pour nous tous. Ok, c'est ça, on est la moyenne des 5 personnes. Donc, quand on a un invité à bord dans un espace aussi petit, ça prend pas de temps qu'on prend les habitudes d'un puis de l'autre. Là. Je pense que ça a beaucoup de positifs. Mais il faut bien s'entourer, par exemple. Parce que c'est ça qui est super important. Si on invite quelqu'un à bord pour habiter avec nous puis qu'il y a des mauvaises habitudes, ben ça va être difficile de pas prendre les mauvaises habitudes aussi. C'est ça que je voulais vous dire. Oh, yeah! On se prend un bon petit café. Il y a des vendeurs de café partout dans Carthagène. Jay est en train de nous empoigner chacun. Hein? Café! Il est bon le café, ça. Ouais. Oh, wow! Muy bien. Todo bien. Là, on est
est en route pour une super attraction selon notre tatoueur. C'est un centre commercial, c'est une ancienne arène de toréador. Sûrement que ça a été aboli ici. De taureau. De taureau. Ça a été aboli, puis ils ont transformé ça en méga centre commercial, mais avec vraiment plein de trucs à l'intérieur, là, des jeux d'eau, des spectacles. Des spectacles. Donc, c'est un attrait qu'il faut voir, semble-t-il. Fait qu'on est en direction de là. Cerezuela. Ouais, exact. Cerezuela. Ah, oh, oui, yeah. Bien. Nous porter à Marina parce qu'on s'en va à l'hôpital. Quand on est parti, on n'a jamais eu besoin d'y aller. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment mal au ventre. En fait, depuis hier, j'ai très très mal à un ovaire. Je vais aller faire une échographie. Et on a souvent des questions là-dessus, comment on prend soin de notre santé en voyage. On n'a pas d'assurance voyage, pas d'assurance médicale. Donc, c'est ce qu'on fait. Cette nuit, j'ai fait des recherches sur Google pour savoir les hôpitaux sont où, les cliniques sont où. Et aussi la Marina Club Nautico. Ils ont un guide sur Internet avec tous les services, tous les spécialistes. Puis, bon matin, gang! C'était écrit, il y avait plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux qui avaient listé sur cette feuille-là. On va prendre un taxi puis on s'en va là. J'ai réussi à me faire comprendre anglais et espagnol, puis là, je dois payer pour le service qui est juste ici. Après ça, je vais pouvoir faire une échographie. Combien ça coûtait l'échographie? On ne mentionne plus combien ça coûte les trucs parce qu'on a eu des mauvais commentaires, comme quoi on parlait toujours d'argent. Puis nous, on le faisait dans le but d'informer les gens qui s'apprêtent à faire un voyage autour du monde.
quand moi j'étais dans ma recherche de voyage autour du monde, j'aimais bien avoir les prix de comment tout coûte. Donc si vous êtes intéressé à savoir les prix, on n'en parlera plus à la caméra. Donc mais nos patrons ont accès à notre budget au complet. Vous pouvez aller voir là. C'est vraiment rapide le système de santé. Véro est déjà en train de se faire sa radiographie. Ça a pris 15 minutes de processus. On est bien content de savoir les résultats. Puis Véro, les résultats? Vraiment des bonnes nouvelles. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. J'ai fait une échographie. Tout est beau. Puis ils ne savent pas. Puis si ça continue à faire mal de revenir, mais tout est beau. Mes ovaires sont beaux. Ça a pris combien de temps? Ça n'a vraiment pas été long. On est arrivé. Alors, je dirais 45 minutes. On est arrivé, la madame nous a tout de suite guidé à la réception. Puis tout est en espagnol, hein? Fait que j'avais, avec Google Translate, je m'étais écrit une phrase, j'ai besoin de voir un docteur, je vais faire un ultrason. J'ai montré ça au monsieur, il a dit ok, parfait. Il a coordonné ça, donc tu fais ton paiement avant de recevoir le service. Après ça, on s'est assis dans la salle d'attente peut-être 20 minutes. Puis il est venu tout de suite me chercher. Il parlait anglais en plus, donc j'ai pu poser mes questions, puis tout. Il m'a donné... Ils sont super gentils. Vraiment, on est impressionnés du service. Ouais, c'est rien à comparer au service du Québec, là. C'est 10 sur 10. Good! On retourne à la typique. Ouais. On espère que vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de mettre des j'aime, de vous abonner à la chaîne. On a dû prendre des grosses décisions dans les derniers mois. Puis on aimerait vous en faire part de quelques-unes, du moins. Ouais. Prochain pays, ça va être le... Panama! Je pense que vous le saviez, vous en doutiez qu'on se dirige vers le Panama. Exactement. On avait regardé pour sortir atypique de l'eau ici en Colombie, sauf que tu peux pas faire les travaux toi-même. Faut que tu engages des travailleurs, puis c'est pour ça qu'on a eu la décision d'aller au Panama, où que là, déjà notre rendez-vous y est pris, à Linton Bay, où on va sortir le bateau de l'eau pour lui refaire une beauté. Ouais, exactement. Parce que on vous en avait parlé quelques mois passés, qu'on avait l'intention de vendre atypique, mais c'est au Panama que ça va se faire. Ouais. Donc on sort atypique de l'eau, on va faire des travaux, on va le remettre tout beau. Pour ceux qui savaient qu'on voulait absolument un catamaran, ben ça sera pas le cas. Non, parce que on a fait nos recherches, puis même si on prenait un catamaran en mauvais état, là... Hurricane damage. Oui, exactement. C'était beaucoup trop dispendieux. L'énergie, l'argent et le temps qu'il faudrait mettre dedans pour le rénover, pour le mettre flottable, c'est trop. Ce n'est que partie remise. Un jour, on veut essayer un catamaran, mais ça ne sera pas pour tout de suite. On va rester dans le monohull. Oui, on va rester avec un voilier. Mais on aime bien, jusqu'à maintenant, les Dufour puis les Bavaria. Parce qu'on a navigué sur un Bavaria avec Total Freedom. Oui, on a adoré ce bateau-là. Son comportement en mer, sa performance, son espace à bord, c'est génial. Les Dufour, on sait que c'est des voiliers hauturiers parce que nos amis sont justement en train de traverser le Pacifique avec leurs 4 enfants à bord. Ouais, ils sont rendus presque aux Galapagos présentement. Puis voiliers Darwin Sound, vous irez voir leur page. Ouais, une famille vraiment attachante traverse présentement. Ouais. On sait que les Dufour, c'est des bons bateaux, les Bavaria aussi. Puis il y a une belle espace à l'intérieur. Ouais. On veut absolument 3 chambres fermées pour que tout le monde puisse avoir son espace. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre deuxième bateau, ça va être avec ce bateau-là que nous, on va traverser le Pacifique. C'est sûr que ça prend un bateau qui est autonome en énergie, en eau. Ça prend absolument un congélateur à bord, un plus gros frigidaire. Parce qu'avec notre tout petit frigidaire, on ne dure pas super longtemps. Puis on n'a pas de congélateur à bord d'Atypique non plus. Donc ça prend absolument ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte. On a bien hâte de magasiner notre prochain bateau. C'est ce qu'on s'en va faire au Panama. Et si vous connaissez des gens ou si vous avez vous-même un Bavaria, un Dufour que peut-être est à vendre, vous pouvez nous envoyer les liens. Oui, on est preneurs. Puis on voulait vous dire aussi, merci énormément de nous suivre dans cette aventure depuis le début. On est toujours touchés par vos messages, vos mots d'encouragement. Quand ça va pas bien, vous êtes là pour nous appuyer. Merci énormément. Ouais. C'est fou, on n'aurait pas pensé que la chaîne aurait eu autant de succès. Ouais. C'est grâce à vous tous qu'on peut continuer à partager cette aventure-là. Puis ça inspire des gens, plein de gens qui nous écrivent, qui se sont achetés un bateau, qui ont réalisé leur rêve, qui partent en voyage à cause qu'ils ont vu notre chaîne. Fait que c'est vraiment positif. Là. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait cet impact-là sur les gens. Fait que c'est que du positif. Puis c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Puis merci à nos Patreons, évidemment. Ouais. Fidèle Patreon, merci énormément. C'est le fun de se jaser dans le groupe de Patreon Atypique, Facebook. Qui est seulement pour les Patreons. On apprend à mieux se connaître. Vous voulez plus d'informations sur notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup de contenu sur cette page Facebook privée-là. Donc, bienvenue à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Geoffroy Chalifou, Mireille Lapointe et Free Fly Fred. Merci! Merci!
Et pour ceux qui ont été touchés par l'histoire de notre ami Jay, qui vit toujours à bord avec nous, puis que son GoFundMe est toujours actif, vous pouvez aller lui faire une donation. Il est maintenant rendu à 6217. On est vraiment content et heureux pour lui en si peu de temps d'avoir accumulé autant d'argent. Il n'en revient pas à chaque fois. Là. Ouais. 98 personnes ont donné à son GoFundMe. Ah ouais. C'est incroyable. Merci à tout le monde. Donc allez voir son GoFundMe. Le lien dans la description de l'épisode. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on a quelques problèmes avec notre gain d'eau, mais on réussit tout de même à se rendre à destination. Une île qui nous fait beaucoup penser aux Bahamas. Puis Windy fait une réaction allergique. À la prochaine! Hola Windy! Mucho gusto! Enchantée! Je ne pourrais pas te parler longtemps parce que je dois aller trouver de la nourriture. Hein? Ta nourriture n'apparaît pas dans ton bol chaque jour? Eh non, ça ne fonctionne pas comme ça lorsqu'on est orphelin. Chaque jour, ma vie est un combat, mais je garde une belle attitude. Je dois te quitter, Windy! Au revoir! Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique. Les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille. Et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique vous aussi, écrivez-nous!